Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera le troisième match de la soirée du 4 avril. Je joue contre Wadi et j'en profite pour corriger son prénom, j'avais mis un E la dernière fois. Je suis désolé. Donc il casse, il met rien. Je pars rouge. Par contre, bon, bah, dès le deuxième coup, j'ai rien à jouer. Donc, je vais faire un petit coup d'attente où je vais enlever sa jaune. Alors, je le fais un peu fort, j'aurais voulu qu'elle aille... s'arrêter, coller bande, mais en fait je lui offre un cadeau poche milieu. Donc lui il fait un petit coup d'attente. Là je tire un peu trop fort. Ça aurait été bien qu'elle s'arrête juste devant la poche milieu. Voilà, il profite de mon cadeau que je lui ai mis tout à l'heure avec un bis sur bis. Ici, jolie finesse. Il est un petit peu par-dessus, mais ça ne gêne pas. Et petit coup d'attente, il me met tout en haut. Voilà, je dépose tout doucement. Ici mieux. Là, j'ai une grosse finesse. Ça prend la poche. Je loupe. Super bien là. Alors là, je sais pas pourquoi il force comme ça, mais bon, la blanche elle finit en poche. Donc là, je vise la poche en bas à droite au cas où je la loupe. Comme ça, il y a ma rouge qui serait devant la jaune, mais je loupe pas. Donc je finis mes rouges. Ici, beaucoup trop fort, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec. Et je suis pas dedans. Gros coup de chance là. Donc lui, il est obligé de faire un petit coup d'attente. Et je vois la noire. Alors, pas hyper bien, et en plus je suis collé bande. Voilà, c'est pour ça que je suis plutôt content de celle-là. À moi la casse. 1-0. Moyenne, mais il n'y a rien qui tombe. Plein de jaunes en bas de la table, donc il va se précipiter sur les jaunes. Là, sa blanche, elle vient se remettre, mais exactement au même endroit. Il rate. Là, je préfère tenter un coup lointain. Lui, il va juste prendre la poche après. Et me laisser la blanche dans un petit coin un peu compliqué. Donc là, j'ai une idée, c'est faire un appui sur ma propre bille. Vous voyez, je réussis et la blanche tombe. En plus, il y a la deuxième rouge sur laquelle j'avais pris appui qui tombe. C'est vraiment pas payé. Il utilise une rouge à moi pour se placer correctement sur son jaune. Là, malheureusement beaucoup trop fort. Je pense qu'il voulait s'arrêter pour mettre en poche milieu. Et comme il est par-dessus, c'est un peu complexe. Allez, jouer la finesse. Là, je veux le snooker, mais j'oublie le contre de la rouge, donc il décale ma blanche, donc il n'est pas total. Mais il doit quand même essayer de masser pour empocher. Je refais la même chose de l'autre côté, je le remets total. Bon, c'est un peu naze parce que ma... J'améliore pas ma rouge en fait en faisant ça, alors que je peux facilement faire les deux. À nouveau, un coup de défense. Et là, regardez, il masse. Super en poche. Sauf que là, le temps est terminé, donc il sait que s'il loupe, le match sera terminé et il perdra 1-0. Donc un petit peu la pression et il rate. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que parfois vous pouvez snooker et améliorer votre jeu en même temps. Allez, salut!